souvent me demande que je monte au ministère, parce que c'est quand même difficile à monter à descendre. Merci Seigneur pour la soirée de ce soir. Merci pour Dieu lui-même. Parce que ce qui me suffit, c'est Dieu suffisant. Hier, je rappelais dans la réunion que nous avons fait au plan de voir que seul Dieu a les noms qu'il faut et les choses qu'il faut. Lorsque Dieu a parlé, Dieu a créé. Et lorsque Dieu a parlé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a mis la lumière. Et il a parlé à quelque chose qui n'existait pas, je disais hier. Alors Dieu disait que quand quelqu'un n'a rien, s'il n'a rien, quand on dit à quelque chose, il n'a rien. Et je rappelais ce qu'a dit cet homme de Dieu, qu'avec Dieu, quand il n'y a rien, Dieu crée avec quelque chose qui n'a rien. Il est Dieu. Rien n'est quelque chose pour Dieu. C'est bizarre. Hein. Ça n'a rien à voir qu'à l'entendre le lendemain. Hein. Mais quand il n'y a rien, Dieu dit avec rien, je fais quelque chose. Et Dieu a parlé à rien. Et Dieu a créé. Il est Dieu. Amen. Et je disais ce qui est important, je voulais le rappeler ce soir ici, c'est que Dieu a créé en parlant. Il faut que nous croyions encore ce soir que Dieu est capable de créer des choses que nous n'avons pas. Il faut que nous comprenions aussi que lorsque le Seigneur crée, il a créé d'abord la lumière. Il a commencé par la lumière. C'est ce qui est le plus gênant en réalité, la lumière. Mais c'est ce qui est le plus en réalité, ça aide aussi la lumière. Mais c'est gênant parce que la Bible dira que lorsque le Christ est venu, il est venu. La lumière est venue parmi les ciels ont reçu. Parce qu'aujourd'hui, un christianisme sans lumière n'est pas le vrai christianisme. Or, pour ne plus gêner les gens aujourd'hui, on essaye d'apporter un Christ qui ne gêne pas. Vous avez remarqué, on a un Christ que tout le monde peut accepter comme ça vite fait, quoi. Moi, je crois à la main de Dieu, comme dit souvent, hein, mais je ne pas trop aujourd'hui. Je deviens incliné le presque par rapport à la main. À la main, bien sûr, hein, au cœur non. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est que les gens voudraient bien un christianisme sans lumière. C'est la lumière qui a gêné les gens au temps où le Christ est venu. La lumière est venue parmi les siens ne l'ont pas reçue, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. À partir du moment où la lumière arrive, les œuvres sont dévoilées. La première chose que Dieu sait de elle, c'est notre cœur, notre façon de vivre. Alors, Dieu a créé la lumière et il a donné des noms. Et c'est ça qui est important pour moi. Je reviens sur ça parce que c'est très important dans les temps de la fin que nous vivons aujourd'hui. Dieu a donné des noms qu'il n'a jamais changé. Il a dit, la lumière s'appellera jour. Mais c'est normal, nous disons. Et les ténèbres s'appelleront nuit. Oui, mais aujourd'hui, les couleurs ont changé. Puisque les noms ont changé, alors il faut revenir à ce que Dieu a dit, tout simplement. C'est simple la parole de Dieu, ne complique pas les choses de Dieu. Dieu a dit, la lumière sera appelée jour, les ténèbres seront appelées nuit, et Dieu sépara. Vous avez beaucoup de choses qui sont dites à l'intérieur. Il y a tout le commencement de Dieu qui va se poursuivre jusqu'à l'avènement de l'Église. C'est que Dieu amène encore la lumière parmi son peuple, et que Dieu appelle encore la lumière jour et les ténèbres nuit. Et que nous n'avons pas le droit de changer les noms. Et que Dieu sépare. Donc Dieu donne les mêmes noms qu'il y a à la création. Le diable a essayé de mélanger beaucoup les choses aujourd'hui, malheureusement, c'est arrivé, ça arrive de plus en plus, c'est que les noms ont été changés. Vous voyez, je disais, par exemple, le péché n'est plus appelé le péché aujourd'hui. On appelle ça le manque de spiritualité. Ça n'a rien à voir avec le péché. Un manque de spiritualité, c'est pas grand-chose, en réalité, c'est un manque de. Peut-être que vous voulez aller plus loin avec Dieu, mais le péché c'est le péché, ça s'appelle le péché quand même. Et tant que nous n'appellerons plus les choses comme avant, nous aurons des problèmes dans l'église aujourd'hui, même parmi les inconvertis qui viennent de réunir. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi que les inconvertis, ils connaissent beaucoup sur les chrétiens, vous savez ça. C'est des connaisseurs. S'il y en a encore qui ne sont pas engagés avec Dieu,
Je disais, bien, ils sont d'accord quand on parle de vérité, de sainteté, de pureté, du péché. Et puis, en fait, il dit, c'est ça, c'est ça. Et pourquoi il dit c'est ça? Parce que c'est malheureux, mais on ne retrouve plus ça, on a besoin de retrouver ça à nouveau, de revenir au fondement des choses de Dieu. Amen. Alors, une des choses qui a été touchée, c'est, et qui fait beaucoup de mal, je l'ai rappelé, c'est ce qui ressemble et qui n'est pas. Ce qui ressemble et qui n'est pas. Je dis le fou, on le reconnaît vite fait, mais ce qui est compliqué à reconnaître, c'est le presque vrai. Et le presque vrai est compliqué à détecter aujourd'hui. Et le presque vrai est tellement presque qu'on n'ose même plus me toucher parce qu'on n'y a rien à ce que tu dis. Alors j'ai posé la question. Est-ce que le presque vrai est vrai? On réfléchit, je vous donne à réfléchir. Est-ce que le presque vrai est vrai? Maintenant, le faux est le vrai, je comprends, le faux c'est le faux. Mais le presque vrai, est-ce que c'est vrai? Mais vous allez dire comme moi, non? C'est pas vrai. Donc si on ne revient pas au même mot que le Seigneur a dit, c'est presque de la lumière. C'est presque un chrétien. C'est presque un prédicateur. On va arriver jusqu'à où? Presque, sans être sur le monde, c'est pas trop vrai. Or, Dieu a créé du vrai. Amen. Que du vrai. Que du vrai. Et il continue à créer que du vrai. Des vrais chrétiens. Gloire à Dieu, ça fait plaisir. Amen. Du vrai. D'abord, quand on voit quelqu'un qui est vrai avec Dieu, qui marche avec Dieu, même quelqu'un, moi j'ai écouté ces témoignages, je parle de quelqu'un, je sais pas, il est né de Dieu. Ah bon, parce qu'on parle au ciel, ça n'a plus de Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? On est tellement étonné de voir quelqu'un qui est vrai, qu'on s'étonne en disant, tiens, il est vrai. Donc, parce que pourquoi? Parce qu'on est tellement mélangé aujourd'hui, il y a tellement de mélange. Et on ne sait plus comment nommer les choses, nous sommes pourtant, je l'ai dit avec vous, je ne suis pas quelqu'un qui domine, c'est l'estrade qui me met à un moteur, l'autre que vous, tout simplement, quelque chose. Mais je comprends aussi qu'il y a des combats sur la terre. Mais que Dieu veut ramener les choses de cette entité. Alors, vous savez, je prends un papier, où j'ai mis comme ça des petits noms comme ça, j'ai mis du faux, et j'ai écrit plusieurs fois le mot faux. T'embêtant le mot faux, il est faux. Alors j'ai mis tout simplement qu'est-ce qui existe dans la Bible comme faux. Eh bien, il y a des faux prophètes. Il y a des textes qui peuvent les donner. Hein. J'ai mis simplement le mot, ça met des textes à côté. Il y a des faux ouvriers, dit la Paul. Comment ça peut exister ça? Dans le monde, il y a des faux, mais pas chez nous. Mais Paul disait, il y en a chez nous. Il y a aussi des faux circoncis, disait Paul. Ça veut dire que la circoncision d'avant, on l'a traduit par rapport au maintenant, la circoncision d'avant, c'était la marque extérieure de ce qu'était le juif, qui avait épousé le mot être juif véritable, quoi, hein, quelqu'un qui pratique la loi. Mais Paul disait, il y a des faux circoncis. Ils sont circoncis de l'extérieur, mais c'est des faux. Il ne marche pas avec Dieu. Mais dans le faux circoncis, ça veut dire aussi, par rapport à nous, à notre temps, la marque du juif, c'est la marque du baptême de chez nous. Ça veut dire que la marque extérieure du païen de chez nous, c'est le baptême d'homme. Il a été baptisé. Donc prenons le mot tel que Paul le dira, il y a des faux baptisés. Il y a des faux baptisés. Que vous le voyez ou non, c'est comme ça. Il y a des faux frères, disait Paul aussi. Ça fait mal. Trahis par des faux frères. Ça veut dire que les faux frères font beaucoup de mal aux vrais frères. Et les gens mélangent tout le monde. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on retrouve ces problèmes chez nous. Je vous dis les choses que vous savez, que je sais. Je ne juge personne, je n'accuse personne, je prêche. Il y en a qui se sentent gênés par rapport à certains messages. Ne soyez pas gênés si vous n'êtes pas dans ce contexte.
Chantez-vous. Amen. Alors, il y a aussi des faux anges. Des anges du faux. C'est plein de faux. C'est le diable qui a été l'imitateur du vrai. Parce que ce qui est le plus fort pour lui, c'est d'imiter quelque chose pour faire du mal au vrai. Et c'est pour ça aujourd'hui que les païens sont révoltés. Je suis un peu le porte-parole de certains païens qui l'ont donné. Alors je vous soulage, vous avez déjà, mais ça n'empêche pas qu'il faut que vous convertissiez, parce que sinon, si vous mourrez dans cette façon, vous n'êtes pas sauvé non plus. Donc ça ne vous sauvera pas non plus, vous comprenez ça. Donc si on découvre le fond, c'est pour que vous puissiez vous convertir vous aussi. Et pour que le fond s'assouche aussi, parce qu'il y en a assez. On en a assez. Moi, j'allais voir cet âge, maintenant, je ne monte pas la tête, j'ai 71 ans. Bon, je me suis investi, j'ai fait mes 50 ans de la peine. Et par la grâce de Dieu, j'ai 47 ans que j'ai la parole de Dieu. Donc je ne suis plus un nouveau. Je ne suis pas un super ancien, mais je suis un ancien quand même. Et je me dis, le temps est passé, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de devenir nos églises? Qu'est-ce qui est en train de devenir le christianisme? Est-ce qu'on va encore continuer à mettre des enduits de plâtre sur les choses comme disait Ézéchiel? C'est pas du plâtre que nous avons besoin, nous avons besoin de quelque chose de solide. Et pour quelque chose de solide, moi j'ai pas la priorité du message. Vous avez des prédicateurs ici qui vous prêchent la même chose. Moi je prêche la même chose que les prédicateurs qui sont ici. Je le crois de tout mon cœur. Et je veux bien le croire aussi. Parce qu'il faut qu'on pousse un cri quand même sur ça. Si on laisse comme ça, on ne saura pas où on en est. Donc moi je ne voudrais pas ici, moi j'apporte pas un réveil. Je ne suis pas resté, je suis tout simplement quelqu'un qui essaie de prier avec le peuple, avec les prédicateurs, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Les frères, c'est trop important. Tant que nous avons quitté la terre, et nous la quitterons comme nous sommes. Si tu n'es pas spirituel quand tu es vivant, tu ne seras pas quand tu mourras. Ça, il faut que je comprenne ça. Hein. Il n'y a rien qui arrange rien quand on meurt. La Bible dit quand un arbre tombe au midi, il reste à sa place. C'est l'Ecclésiaste qui dit ça. Ça veut dire que l'arbre reste à sa place. Et quand tu tombes et que tu meurs là où tu es, tu restes comme tu étais. Sinon, on va croire à cette doctrine, sauver, sauver pour toujours. On n'y croit pas, ça. Mais de la façon que les gens vivent, c'est ce qu'on vit, quand même. Il y a du chaud. Le diable a mis des imitateurs. Le diable est en train de réussir son coup. Il a réussi son coup déjà au départ. Non pas de dire ce que Dieu n'a pas dit, mais non, est-ce qu'il n'a rien à nous dire? On traduit la Bible à sa façon. Je disais un jour dans une prédication, lorsque les gens ont goûté le vin que le Seigneur a changé l'eau en vin, ils ont dit, mais d'où ça sort? Quel goût! Ils ont resté étonnés. Et l'autre, les gens savaient d'où ça venait. Ils disaient, c'était de l'eau, Dieu l'a changé en vin. Donc ça veut dire que ce goût n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Parce qu'il y a des prédicateurs qui ont mis de l'eau dans le vin aujourd'hui. Et voilà. Donc si on revient aux origines de la parole de Dieu, je vous promets que dans la Bible, on retrouve le goût. Le goût est dans votre Bible. Alléluia. Alors on va faire venir une table. Bon, on va prêcher si vous voulez, pas de problème. Mais nourrissez-vous tout seul. Amen. Mangez tout seul. Alléluia. Et même si vous écoutez un prêtre, si vous écoutez un mot, n'importe qui, regardez si c'est vrai, si c'est écrit ce que je dis. C'est pas biblique ce qu'il dit. Vous auriez raison de m'interrompre. Mais comme on est dans un peuple où j'ai ignorant, la Bible dit mal affermi. Pierre en parle de l'apôtre Saint-Paul, la lettre qu'il écrivait, des personnes ignorantes, des mal affermies, tordent le sens des Écritures. Ils entendent le sens, ils sont ignorants, mal affermis, mais nous, ça, ces mots-là, ces indans, ces poubelles, en catalan, il ne sait pas, le pauvre. Il est mal affermi, il est ignorant. La Bible dit qu'il n'a pas le droit d'être ignorant, il dit. Non, 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 il faut être sévère avec ça. Sur ce domaine, on n'a pas le droit d'être ignorant. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est parce que ça ne nous intéresse pas. Comme tu es habile, dira Jérémie, dans les choses que tu aimes. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas plus chineur que quelqu'un de chez nous. Il n'y a pas plus chineur. Il se débrouille de toute façon, il ne mourra jamais de sa vie.
Pourquoi? Parce qu'il est allé dans ce qu'il aime. Mais moi, j'aime pas trop, parce que de toute façon, je vis un mot important que je dis hier. On ne perd pas la foi. Et ça, j'insiste de plus en plus aujourd'hui. Il y a qui j'ai perdu la foi. Tu n'as pas perdu la foi. Tu as abandonné la foi. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que tu as abandonné les moyens de garder la foi. Tu abandonnes la Bible, la parole de Dieu. Et tu dis que tu perds la foi, tu l'as abandonné parce que le seul moyen de garder la foi, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Et comme notre peuple ne lit pas, et même certains prédicateurs de chez nous ne lisent que pour prêcher, eux aussi vont perdre la foi. Eux feront naufrage par rapport à la foi. Il y a un naufrage qui existe aussi, dit l'apôtre Saint-Paul. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire un naufrage, c'est un bateau qui coule avec toute la cargaison. Ça, c'est un naufrage. Donc ça veut dire qu'ils ont coulé avec toute la connaissance. Alors la connaissance, elle reste. Mais ils ne sont plus sur l'eau, ils sont sous l'eau. Vous ne croyez pas qu'il y a des dangers pour nous? Vous ne croyez pas qu'on a besoin de s'avertir? Vous ne croyez pas qu'on a besoin d'un frère qui nous donne un coup à côté de temps en temps, non? Je crois que c'est comme ça, vous ne croyez pas qu'il faudrait réfléchir. Moi je me joins à des frères ici. On est un peuple différent, mais nous avons la même Bible quand même. Hein? À part qu'un catalan, des choses particulières, je suis catalan, moi. Non, ça ne marche pas ça. Je ne prêche pas en catalan, moi, je prêche en français. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas la guerre particulière, nous. On a une seule Bible, un même pas, une même foi, un même Seigneur, un même baptême, un même esprit, une même doctrine. Pareil. Pourquoi? Parce que nous avons la même Bible, la même version. Et les mêmes exigences de Dieu. Parce que le Père qui a sur sa autour de sa table les mêmes enfants, il donne les mêmes ordres lorsqu'il est assis. C'est comme ça. Lève le doigt, alors donne pour toi aussi, et pour toi aussi. T'es ma table, t'es à ma table, toi c'est pareil pour toi aussi. Tous pareil. On abandonne la foi. Je n'ai pas de solution. Je le dis. Je dis ce qu'a dit un docteur hier. C'était bien. Le docteur a écrit ça. Il disait avant de chercher à guérir quelqu'un, c'est ce qu'on fait en prêchant aussi. On essaie de soigner, j'ai besoin de te soigner aussi. Avant de chercher de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui m'ont rendu malade. Si on continue, nous, à vouloir donner des solutions, la personne va faire la même chose qu'avant. Il faut arrêter. On lui dit, je veux t'apporter un médicament, mais il faut que ce médicament que je t'apporte, c'est pour ce que qui t'a rendu malade. Mais on va te soigner, gloire à Dieu. Mais il faut lui dire, ne recommence pas à faire ce que tu faisais avant. Tu ne fais recommencer plus. À répéter les mêmes choses qui vont se traduire par une tradition, une habitude. Mais je le vois partout, je le vois chez vous partout. Catalan, espagnol, ministre, voyageurs, des réunions traditionnelles. On s'habitue à tout. On s'habitue à ce que ça ne changera pas après. J'ai envie de quelque chose, je suis avec vous. Je voudrais pousser le soupir, Seigneur. Oui, on veut que Dieu descende là, chez nous. On veut qu'il y ait du vrai. Je n'ai pas dit du super, du vrai. Je ne dis pas du spécial. Si tu vas écouter celui-là, on nous parle d'un pasteur d'Espagne. Si tu l'écoutes, je n'ai rien à écouter de personne, moi je dis, dans la doctrine, chez moi aussi. Hein. Donc je venais par là, on peut écouter quelqu'un, mais ne me flattez pas quelqu'un, ne me flattez pas un nom. Alors dis-moi s'il dit ce qu'il dit. S'il dit ce qu'il dit. Et aujourd'hui, comme il y a de l'ignorance parmi le peuple, on est en train de dire amen à n'importe qui. Amen, ça veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Or, l'amen, c'est pas notre amen qui est important, c'est l'amen qui a été prononcé par lui, dira l'apôtre, la parole de Dieu. L'amen a été prononcé par le Christ. C'est lui qui a dit amen à la croix, à toutes nos prières, en disant tout est accompli. Amen. C'est ça. Et il faut que nous revenions à lui. La foi est touchée. Les frères, les sœurs, les amis, c'est compréhensible que certains
ça leur coûte un courage, parce que la vraie foi est touchée. Alors, j'ai lu un texte, et je voudrais vous le relire, ici, qui est très connu. Et je commence par ça pour parler un peu, vite fait, sur. Vite fait, on va prendre le temps pour se presser et courir. Alors, écoutez ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 13, verset 8. Je sais que vous connaissez ce texte-là. Jésus-Christ est le même. C'est très encourageant, frères et sœurs. Hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez, après, ce qui arrive, c'est qu'on n'apprécie même pas ce qu'il s'aime. Tenez, il y a un texte qui est tellement simple. On l'a récité tellement de fois qu'on vous donne de côté pour chercher d'autres textes qu'on ne prêche jamais. Je vous en cite un, moi, qu'il faut toujours renouveler. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 5. Eh bien, ça m'a déjà même décrit, il ne faut pas crier à la parole. Vous comprenez bien? Je ne dis pas gloire à Dieu, là! Ça veut dire que. Qu'est-ce que vous faites gloire à Dieu? Quoi? C'est le cœur de Dieu que je viens de citer ici. Si je dis Jésus revient, Jésus revient. Est-ce que vous rendez compte? Je suis avec vous. Mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Ce sont les choses concrètes de la parole de Dieu. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire ce qu'il a été, il est aujourd'hui. Et vous avez remarqué que le texte commence par aujourd'hui, commence par hier. Parce que l'aujourd'hui dépend d'hier. Or, aujourd'hui, on a enlevé le hier pour Jésus-Christ d'aujourd'hui. Ce que le Saint-Esprit peut faire aujourd'hui ne fera pas autre chose que ce qu'il a fait hier. Il vient conforter la parole de Dieu encore aujourd'hui en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau. Il prendra de ce qui est en moi, vous l'annoncera, que la lumière soit. Voilà ce qu'il veut dire encore le Saint-Esprit. Et la lumière fut. Amen. On a besoin que Dieu éclaire nos vies. On a besoin que Dieu descende au milieu de nous. On a besoin que le Christ revienne dans toute sa puissance, sa grandeur, sa sainteté, sa vérité, son amour, sa miséricorde, mais aussi sa façon de changer les personnes. La foi n'a pas changé. Vous savez pourquoi le texte est bon et puissant? Parce qu'il nous réfère à hier. Mais ça se parle d'hier, ça touche l'épître aux Hébreux. Ça parle d'hier parce qu'il y a le texte, comme je disais un jour, le contexte qui est en haut, c'est ce qui veut dire en bas. Un texte sans contexte, c'est difficile à comprendre. Mais là, on va le comprendre, pourquoi il dit qu'il est le même. Verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi il dit que Jésus-Christ est le même? De qui il parle? D'un souvenir des anciens conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Amen. Paul dira à Timothée, 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 prêche la parole. Amen. Arrêtons de chercher des messages que les gens n'ont pas entendus. Et quand quelqu'un dit ça, je ne l'ai jamais entendu, alors ne l'écoute plus. Mettez-le dehors. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans la Bible. C'est quelque chose de très simple. Très, 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 très simple, mais tellement vrai. On n'a pas besoin de bâtir. La Bible est assez belle. Elle n'a pas besoin de rimel, ni de rouge à lèvres, ni de fond de teint épais comme ça. Quand vous voyez quelqu'un sur un portable qui dit, t'as vu comment elle est? Elle a été maquillée, elle a été changée, c'est pas elle, ça? Elle avait l'air en vrai. Elle ne se marierait pas si elle abandonne, si elle avance les parents. C'est du faux. On n'a pas besoin de tout ça, frères et sœurs. On a besoin de simplicité à l'égard de l'évangile. Vous savez, j'ai fait une réunion à Perpignan. J'habite à Perpignan maintenant. Mais il y a quelque temps, j'ai fait une réunion avec des jeunes. Ils m'avaient appelé pour faire une réunion. Ils m'avaient demandé de faire le matin et le soir. Et ils ont voulu que j'apporte un conseil. Alors, moi, j'étais assis, je vais prêcher. Les jeunes avaient beaucoup de respect. Il dit, Seigneur, tu sais comme on respecte l'ancien, mais c'est pas lui qu'on veut écouter. J'avais raison, je dis, amen, gloire à Dieu. Bien sûr, c'est pas moi. Il dit, mais c'est à toi qu'on veut écouter, c'est ta parole qu'on veut écouter. Après, on m'a laissé la place. Mais je dis, vous avez eu raison de prier comme ça. Mais c'est pas moi que vous voulez écouter. Mais il faut que vous sachiez une chose, je dis, que ça que je vous dis.
C'est quand Jésus est plus simple que moi. Je ne sais pas si vous l'écouterez. Est-ce que vous savez que Jésus est beaucoup plus simple que les prédicateurs que nous sommes? Est-ce que vous savez ça? Que si Jésus ne savait pas que c'est lui, il ferait qu'une seule mission chez nous. Parce que s'il passerait derrière le pupitre, il dirait « Je suis un berger avec des brebis. Je cherche des brebis pour les ramener au bercail. » Un gré de caille, t'as invité, c'est bon. Il finit sa prédication. Et je me dis, mais ça c'est Jésus. Ah non. Moi je croyais qu'il aurait parlé des étoiles. Et il a dit, mais je sais pas quoi. Mais c'est trop loin, il dit, moi je parle ici. Parle-nous. J'ai besoin de simplicité. On a besoin de simplicité. La simplicité, c'est la Bible. Et le Seigneur dit, tu sais, pour que je sois le même, n'appuyez pas le texte si vous n'avez pas le contexte, parce que j'ai parlé sur le contexte. Souvenez-vous de vos conducteurs. On peut parler des conducteurs que nous avons dans la mission, qui ne sont plus là aujourd'hui. Il y a des pages qui se tournent dans notre mission, vous le savez. Hein. Vous avez remarqué. Hein. Il y a une génération qui est en train de se tourner. Le dernier frère, presque, qui est parti, bon, il n'y a pas l'autre, mais en réalité, qui était le pionnier, je ne vois pas simplement les gens qui étaient chez nous, le Cossac, Jimmy, Payon, Tarzan, et la page est en train de tomber, et une génération se lève, celle qui fait peur. On n'a pas besoin de super prédicateurs. On a besoin des gens qui ont la foi. Amen. La vraie. Parce que je vous ai dit qu'il y a plein d'imitations. Alors je lis ce texte-là. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il dit pour qui? Souvenez-vous de mon conducteur, il grave dans l'épître aux Hébreux. Donc on va plus loin que Jimmy et que tous les autres, moi. Chapitre 11 des Hébreux. Je suis obligé, moi. Moi, je cite que les noms qui ont été cités par la Bible. Et ces noms-là, c'est eux, là. C'est la foi. Alors, je lis. J'appelle comme ça. Qu'est-ce que la définition de la foi? Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus bon, il n'y a pas plus vrai. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, il dit. J'espère quelque chose, parce que la foi est invisible. On prie un Dieu qu'on ne voit pas. Soyez vrais. C'est pour ça que je dis que la vraie foi prie. Parce qu'il n'y a pas plus vrai que quelqu'un qui parle avec lui. C'est ça. Oui, oui. Maintenant, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure marcher. Et tous les gens parlent quand ils marchent. En certain temps, avant, on me dit, c'est fou. Mais vous savez pourquoi ils parlent à quelqu'un comme ça, ils sont tout le temps sur la journée. Et tout le temps, je vais ça. Avant, on me dit, c'est fou, ça. Mais nous, sans ça, là, on peut parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. Il n'a pas ça, hein, qui a fait qu'il parle. Mais Dieu. Avec Dieu, il est branché. Il y a toujours le relais qui est. Ça ne brûle pas. Ils prient. Disons-le, tout simplement. Aujourd'hui, il y a une foi sans prière. Les églises ne prient plus. Vous rendez compte? On va continuer. On va chanter la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous entendez? Nos réunions de prière ont disparu. Elles se sont éteintes petit à petit. On a remplacé par des mots, par des prédicateurs, et tout ce que vous voulez. Moi, la solution, elle est chez vous. À votre bibliothèque, vous avez une Bible, lisez-la. Les gens ne prient plus. J'ai vu des écriteaux avec des oreilles. Réunion d'évangélisation. Et je me dis, comment ça fait qu'il n'y a pas de réunion de prière? Parce que c'est de plus en plus les gens qui font.
Ça veut dire, je vous dis une chose, ce que je crois, c'est que l'Église est en train de disparaître. Parce que la vraie Église prie, la vraie foi prie. Alors, il y en a qui ont dit, voilà, ça prie. Je bénis Dieu pour les gens qui sont ici, mais je leur ai dit rien de prière. Le frère vient pour faire une vraie prière. On a invité pour qu'ils aient un texte et pour que les gens prient. Je ne sais pas si vous le comprenez. Mais qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il va dire, Xavier? Pas plus que ce que vous avez entendu. Pas plus que ce que vous avez entendu. Ça veut dire tout simplement, nourrissez-vous de la foi. De la foi véritable. Mais qu'est-ce que la foi? C'est une certaine assurance des choses qu'on espère. On le croit sans le voir. Mais en même temps, ça devient une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la vraie foi, c'est celle de ce que vous dites. Écoutez bien. Ce que je ne vois pas comme Dieu, je le crois tellement que je le rends visible par la conduite. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tellement vrai ce que je crois que je marche avec Dieu. Je parle le langage de Dieu. Je me sépare du péché parce que Dieu me dit « Sépare-toi du mal ». Et comme je le crois, je le fais. Mais qu'est-ce que c'est cette foi sans se séparer? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois pas une fois que ce n'est pas pas. On ne peut pas y croire ça. Parce que ce qui est fait d'apprendre, c'est de rendre visible ce qui est invisible, écouter ce qui est écrit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire, de choses visibles, c'est l'invisible de Dieu qui crée quelque chose pour démontrer qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. S'il n'y aurait pas de création, frère, si on ne croirait pas en Dieu. Comprenons-le, ça. Tout ce qu'il a créé, ça veut dire sa question. C'est pour cela que l'apôtre Saint-Paul dira, ils sont donc inexcusables, même les païens qui ne croient pas en Dieu, parce que la création témoigne de Dieu sans dire prédication. Même s'ils n'ont pas entendu le message, la création parle de Dieu, ils devaient se convertir avec ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose qui a été créé, il doit se questionner. Quelque chose de simple, je l'ai dit certainement ici déjà. Si quelqu'un peint un arbre, il le peint à la perfection, qui est tellement bien peint que c'est la perfection du vrai. De suite, quand les gens le voient, ils disent, c'est pas possible, on dirait un vrai. Alors, ils s'approchent en disant, mais qui l'a fait? Vous me suivez? Et ils cherchent là, la signature. Parce que ça ressemble tellement au vrai, qu'on dit, qui l'a fait? Alors j'ai envie de leur dire, attendez, vous cherchez celui qui a fait, qui a peint quelque chose que quelqu'un avait fait. Pourquoi on peut aller chercher la signature de celui qui l'a fait? Alors vous ne trouvez pas signature, il faudra que vous fassiez quoi? C'est toi qui l'as fait. Un créateur. Ce que Dieu a rendu visible par rapport à sa création, il le rend visible par rapport à son église, après. J'ai une église, il dit. Ah oui? Où? Regarde là. Je l'ai créé, moi, par une nouvelle naissance, par l'action de la conviction du Saint-Esprit de péché. C'est la vraie foi. Dieu a mis sa confiance dans son église. Regarde le vivre. Sans parole, il dit. Quand on lit la Bible, c'est une merveille. Mais écoutez bien, un homme de Dieu a dit, les Écritures sont en page imprimée, ce que le Christ est lui-même. Vous aimez Jésus? Aimez la Bible. N'aimez pas la Bible en disant, je l'avais sur moi, c'est la superstition, ça n'a rien à voir. La Bible, il faut qu'elle soit lue. Écoutez ce qu'a dit un homme de Dieu, je l'ai noté aussi. Je vais essayer de me retrouver. Avec mes papiers, je perds. Écoutez ce qu'il dit. Que la foi, quand la foi devient obéissance à cet homme de Dieu, c'est la vraie foi. Que c'est vous. Ça veut dire, tant qu'elle ne devient pas obéissance, c'est pas la vraie foi. Mais pourtant, je crois en Dieu, oui. Les démons aussi.
crient. Les démons, ils croient en Dieu. Et ils tremblent parce que le jour arrive. Ils savent que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Donc ils croient au jugement de Dieu. Nous ne nous en croyons pas dans la Bible. Ça, ils ont très peur, ils ont peur. Ils ont que peur, ils ont que peur. Ils tremblent parce qu'ils peuvent perdre son œil. C'est fini, terminé. Donc ça veut dire qu'ils croient. Ils croient au jugement de Dieu. Et que c'est pour ça que arrive un moment donné, pour des chrétiens qui n'ont pas la vraie foi, ils ont une peur terrible de quitter ce monde. De quoi la peur? Je ne suis pas super bon, moi aussi j'aurais peur certainement. Mais il y a des limites, frère. Il y a des limites quand même. Parce que tout ça va se retrouver ici après. Oui, mais moi je vais dire, attends. Va arriver le moment donné où on passera par la vallée de l'ombre de la mort. Hein. Donc pas, il faudra passer par là. Hein. Et oui, on dit, mais de quoi il parle? De quelque chose qui va nous arriver. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Je ne suis pas d'accord. Moi, je vous dis rendez-vous là-bas. C'est écrit sur le rendez-vous. On y va tous. Mais de quelle façon on y va? Moi, je crois au bon Dieu. On ne croit pas au bon Dieu. On croit à un Dieu qui est bon, qui est vrai, où il faut se stimuler, il faut croire à ce qu'il dit. Il y a tellement de choses qu'il dit. Comment s'en sortir? Alors, on cherche des moyens. Il n'y a pas de moyens, frères et sœurs. C'est très, très, très simple. Je vous dis tout simplement ça. Même si j'oublie autre chose à vous dire. Mais qu'il vous soit très utile pour vous et pour nous. Mita béni. Amen. Sinon, nous n'en sortirons pas. J'ai pas de message miracle. Vous avez perdu votre temps en venant m'écouter. J'ai pas de moyen spécial. J'ai pas de ministère spécial. Je vous dis tout simplement ce qui est écrit. Que la foi se démontre. Et tous les hommes qui ont eu la foi, écoutez-moi, je lis une petite liste que j'ai faite. Elle est là. Il dit que ils ont rendu visible. Et il parle de certains hommes, le monde était fait transformé par la parole de Dieu. Et ensuite, il parle, il dit, la foi, il dit d'Enoch. Écoutez bien, il parle d'un homme qui s'appelle Enoch. Il dit que cet homme qui s'appelait Enoch, je vais essayer de faire vite, parce que je sais que nous sommes limités dans le temps, surtout dans cette vie. Il dit que quand même, hein. C'est par la foi qu'Enoch put enlever, il dit, parce qu'il ne vit pas la mort, et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc s'il marche même dans l'élément de l'église, ça peut être disparu. Il part par la foi. Par la foi, il avait la foi, il fait partie de la liste des héros de la foi. Mais il y a un texte qui dit que, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant de partir, tout le monde est parti. Alors, je dis, comment t'as fait pour partir, Emma? On le consulte sous les. On parle avec un mort. On parle pas avec les morts, on parle avec la Bible. Alors, comment il a fait pour partir? J'avais un témoignage. Amen. Où est le témoignage de ceux qui croient? Je ne peux pas en parler. Donc, on ne parle plus de rien, ça va. Hein. Et je suis courageux de se décourager. Il n'y a pas plus découragé que quelqu'un qui n'a pas la foi. Alors, on va essayer de stimuler, quoi, pour qu'il reprenne une portion de plus en plus. Et non, non, ça, frère et soeur. Il dit que Enoch, en un mot, a rendu visible son témoignage, sa confiance en Dieu, et tout d'un coup, disparaît. Mais il y a un témoignage qui a été rendu qu'avant son départ, il était agréable à Dieu. Ça veut dire s'il n'aurait pas été agréable à Dieu. Il ne partait pas, monsieur Enoch. Restez là. 300 ans de plus, il en aurait eu 600, il mourrait quand même. Ça veut dire si nous n'avons pas un témoignage qui confirme ce qu'on croit, si nous ne rendons pas visible ce qui est invisible par rapport à ce qu'on croit, les ordres viennent du ciel. Amen. Ou ceux qui vont être exécutés. Chez les païens qui se promènent au bord de la plage, là. Dans son église. Pour l'église qui s'est préparée, comme une épouse s'est préparée pour son époux. Ou à quelle? N'importe quelle, la sienne. Amen.
Et vous avez remarqué que quand une épouse se prépare pour son époux, que c'est le jour du mariage, c'est la perfection qu'on cherche en homme, qu'elle descend en bas pour voir le fiancé. Il y a toute la famille autour pour faire des petits détails. Parce qu'on veut qu'elle descende, qu'elle soit parfaite. Paul disait, je suis jaloux de vous, je suis jaloux de Dieu. Parce que je vous ai joint au Seigneur comme l'épouse, comme le fiancé, pour son époux. C'est-à-dire que Paul avait donné tout ce qu'il fallait pour l'enseignement, pour que cette épouse soit parfaite. C'est Paul qui l'a préparée. Je vous ai joint, c'est moi qui vous ai fiancé. Mais Paul nous a fiancé aussi, en même temps avec l'enseignement. Il nous amène le même enseignement pour que cette église qu'on est au 21e siècle soit la même qui était préparée à son époque à lui. Il n'y a pas de temps pour lui. Donc c'est le même enseignement. La même église qui a été préparée hier, c'est la même qui se prépare aujourd'hui. Pourquoi il y a une différence? Et comment ils se sont préparés? Ils étaient toujours ensemble dans la prière. Actes des apôtres, comment ils se sont convertis? Avec quel message? Avec un message? Non, avec un message, c'est comme Pierre qui est passé derrière le pupitre, et je suis dit, il ne peut pas faire côté de nous, on a voulu lui chanter le poisson. C'est un parfum. C'est un pécheur. Un pécheur de profession. Mais qu'est-ce qu'il a prêché? Mais il a prêché, vous l'avez crucifié. Quel message? Aujourd'hui, je dis certains enlèvent même la culture des gens. C'est des victimes, non, ce n'est pas des victimes, les gens, c'est des responsables. Si on ne croit pas qu'on est responsable, on ne pourra jamais participer à la repentance. Et les gens veulent excuser tout le monde, je comprends, mais c'est comprendre que vous faites ça parce que vous n'êtes pas malheureux, vous avez un contexte malheureux, mais qui n'est pas malheureux? Qui n'a pas de problème? Alors, au lieu de les responsabiliser pour se repentir, on dit vous êtes des victimes. Vous n'êtes pas des victimes de Pierre. Vous êtes des coupables. Si ces messages partent, nous avons une départ qui est faux. Et nous avons fait joindre à nos églises des gens qui ne sont pas nés de Dieu. Et le péché qui était dehors, il va mettre dans l'église, et après on trouve nos touches. Les mêmes choses que les païens font se retrouvent dans nos églises. Et oui, on est étonnant. T'as vu ce qui s'est passé chez nous? C'est pas étonnant. Pourquoi? Ça peut arriver qu'il y en ait un de temps en temps, mais pas tant comme ça. On retrouve les mêmes choses, un caractère, les gens qui ne veulent pas pardonner, il y en a plein. Les chrétiens ne veulent pas pardonner, ils ont des excuses. Je dis souvent dans certains endroits où je suis, moi. Il y a beaucoup d'églises dans certains endroits. Moi, ça ne dérange pas qu'il y ait beaucoup d'églises. Mais le problème, c'est que certains veulent partir de l'endroit parce qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un. Je suis là-bas, qui reste chez lui, et on ne peut pas partir comme ça, vous comprenez bien. Hein. Ça veut dire, je ne le vois pas, je suis tranquille, parce que ça me demande. Ah, d'accord. Un baptisé, ça le met mal. Alors je prends la Sainte-Seine ici, il va prendre pas là-bas. Il va là. Pour moi. Mais tout ça, c'est légalisé. Et pour que les gens se sentent bien, mais qu'est-ce qu'on cherche à avoir du monde, d'avoir de l'offrande, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Mes frères, le Seigneur ne veut pas remplir un local, il remplit le son ciel. Je ne suis pas spécial, je dis ce que la Bible dit de ce moment. Et non, quand je suis un témoignage avant de partir, la Bible dit qu'on peut me prendre, pourquoi il est tombé? Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Et j'ai vu ça. Agréable à Dieu et pas forcément aux amis. Parce que quand on veut être agréable à Dieu, on ne sera pas forcément agréable aux gens. Vous êtes d'accord? Amen. Et même à certains prédicateurs. Il y a certains prédicateurs qui ne sont pas agréables à certains prédicateurs qui veulent être agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de faire aujourd'hui qui est bizarre. Mais à la tête. C'est de l'évangélisation, mais pas nous. Il faut être heureux aussi. Arrangeons nos affaires, frère. Jésus revient bientôt. Amen. Écoutez bien, il va y avoir une déception énorme. Afin que lorsqu'il reviendra, il dira l'épître de Jean, alors que lorsqu'il reviendra, ne soyez pas trop confus et éloignés de lui. Il y a le mot confusion et éloignement de ce texte-là. Éloignement.
loin de lui, pas près de lui. Rapprochons-nous. J'ai écrit un passage ici, je crois que je l'ai ici. Il est simple, le texte, écoutez bien, je l'ai écrit, je pouvais vous le lire. Jean chapitre 6 et verset 24. Jésus-Christ a fait des miracles, la multiplication des pains, je vois ce qu'ils sont vite fait. Et les gens ont mangé du pain, ont été bénis, bénédiction pleuvait dans le corps. Quoi. Et le lendemain, ils reviennent dans le même corps parce qu'ils disent, tiens, on va récupérer le pain, on va manger gratuitement. Quoi. Ils reviennent, et quand ils arrivent dans cet endroit, ce monde dit ça. Les gens de la foule, ayant vu, quand ils arrivent là, hein, que ni Jésus, ni les disciples n'étaient là. Du coup, ils se rendent compte que Jésus n'est pas. Et comme Jésus n'y est pas, les disciples n'y sont pas. Vous me suivez? Ça veut dire que ça aurait été étonnant devant les disciples et pas Jésus. Ils arrivent, oui, Jésus. Mais nous, on est là. Mais qu'est-ce que vous faites sans Jésus? Donc, ça veut dire tout simplement que la vraie foi est là où est Jésus. Et si Jésus n'y est pas, l'Église n'a rien à faire ici. Parce que les gens qui viennent chez nous veulent voir nous, mais est-ce que Jésus y est? Parce que si Jésus n'y est pas, ils écouteront quelques cantiques, ils diront, mais est-ce qu'on a affaire ici, si et non? Parce que le but de nos cantiques, de nos prédications, de nos prières, de nos témoignages, c'est parce que Jésus y est. Alors si lui y est, nous y est. Alors là, ça a un ampleur énorme dans la foi. Si vous doutez de l'endroit où vous allez, où vous ne savez pas si Jésus y sera, n'y allez pas. Qu'est-ce qu'a fait l'Église dans des endroits où Jésus ne serait pas? Je sais que c'est pas pour vous. Mais comme les mots, je vous dis, si je devrais prêcher autre chose, je vous promets que je ne pars plus de chez moi. Je pars plus. Je suis fatigué, je suis mieux. Des problèmes de santé. Alors, si je chercherai à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Comme tous les frères d'ailleurs, sont comme moi. Mais notre obligé, pour plaire à Dieu, comme un homme, on n'est pas obligé de plaire aux gens. Mais vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Le diable est en train de leurrer certains chrétiens. Il fait croire que certains chrétiens peuvent aller au ciel en vivant dans le monde. C'est fou. Le monde est l'ennemi du chrétien. Vous entendez? S'il y a bien un ennemi chez nous, c'est le monde. Les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. C'est ce qui est le monde. Où les gens pensent toujours aux choses de la terre qu'aux choses du ciel. Aller se consacrer à la terre et très peu de consécration pour le ciel. On arrive ici chargé. Il nous faut un moment pour essayer de récupérer un peu, pour penser un peu aux choses de Dieu, parce que nos pensées repartent encore dans les cuisines, dans le travail, dans la peinture et tout ce que vous voudrez. Il faut ce qu'il faut, mais avec sobriété, dira la parole de Dieu. Stop, 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 stop. Pourquoi? Parce que le monde consume nos forces. Éphraïm, dira la parole de Dieu, se mêle avec des peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Il est cuit d'un côté. Immangeable. Ça veut dire tout simplement aussi des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. Je ne suis pas rêveur, mais je vous ai fait un rêve à ce sujet. J'ai vu une chrétienne dans un rêve que je connaissais. Une chrétienne parlait avec sa mère qui n'était pas chrétienne. Elle avait une conversation de mère et de fille, mais de païenne avec chrétienne. C'est toujours comme ça. Votre mère qui n'est pas chrétienne, qui est une païenne, respectez-la, aidez-la, mais ne vous conformez pas à ce qu'elle est. Sauvez-la, en gardant votre position.
Mais ce que je voyais, moi, ça m'a éclairé. Parce que je voyais ce qu'elle ne voyait pas, la chrétienne. Je voyais que la main de la mère qui était païenne se mettait dans le cœur de cette femme et lui sortait les choses de Dieu. Elle restait guidée. Méfiez-vous. On vit dans un monde cruel qui ne vous épargnera pas. Vous n'êtes pas chez vous. Ces lois ici ne sont pas vos lois, vont du ciel. Les principes de la terre ne sont pas les principes du ciel. Nous, on peut se comprendre. Vous savez comment il faut se comprendre aujourd'hui si on veut? Je ferme ma Bible, on la met à côté, on s'arrange. Mais tout le monde peut s'arranger comme ça. Et pour garder un soi-disant unité, il faut faire attention parce qu'on risque de passer en casserie du temps. Frère, on a la même Bible. C'est tout. Mon histoire, c'est une idée, a dit un jour l'homme de Dieu, qui n'a pas pour base à la parole de Dieu. Et il a maudit cette unité, je le crois aussi. Je parle aujourd'hui de la vraie foi. La vraie foi, et je finis vite fait, parce que moi je comprends que je vais passer en après. Je vous parle de notre homme qui a eu la foi. Et il parle d'un rémunérateur de celui qui le cherche. La foi paye. Rémunérer, c'est payer. C'est-à-dire, j'ai pas, je vais vers quelqu'un où moi j'ai pas, et en cherchant celui que moi, parce que j'ai pas, tout d'un coup je me fous, j'ai. Je crois que vous voulez. Je n'avais pas ça. Et parce que j'ai cherché quelqu'un qui avait, qui paye, est-ce que vous vous rendez compte? Mais écoutez bien, il nous paye pour qu'on le cherche. Il faudrait payer pour le chercher. On dit à Dieu, aux gens païens, que Dieu est bon, acceptez-le, donnez votre cœur à Dieu. Vous verrez comment c'est. Le païen dit, je ne le vois pas chez toi. C'est bizarre ça aussi quand même, non? Qu'est-ce qu'il va faire prendre? Des mots, le témoignage, frères et sœurs. Le témoignage, c'est quelque chose de très simple, je garde toujours en prêchant. Quelqu'un qui marche dans la rue qui fait ça. C'est que ça. C'est comme ça. Quelqu'un qui passe, il vous voit faire ça. Il vous regarde. Il fait ça. Mais qu'est-ce que je cherche? Vous lui avez fait lever la tête. C'est normal. Parce que ce n'est pas habituel quelqu'un qui fait ça dans la rue. Et aujourd'hui, ce n'est pas habituel qu'une église fasse ça. Elle est toujours là. Redressez-vous, dit Jésus. Quand ces choses commenceront à arriver, ça veut dire que l'église est courbée. Et commence par là. Les frères et les sœurs, l'église est courbée. Elle a baissé la tête sur les champs de la terre. On parle du ciel sans y vivre, sans y croire, sans y méditer, sans passer du temps devant Dieu. Si on aime quelqu'un qu'on attend, on aime pas avec lui. On est fiancé d'abord, hein. On est fiancé. Hein. Je ne comprendrai pas une fiancée qui n'aime pas être avec le fiancé. Non. Ça vous ferait pas peur, ça? Oui ou non? Hein? Quand c'est le moment de se voir, de passer le moment ensemble, la fiancée dit, je m'en vais passer le moment à autre part. Ça va. Mais après, la famille va douter. Ils vont dire à son fils, mon fils, il a un problème, la fiancée, non? Quand tu viens, on s'en va. Si vous la voyez en passant avec l'auto, vous voyez la fiancée de votre fils qui parle avec quelqu'un d'autre dans un coin. J'avais qui parle. Je l'ai vu. Vous allez essayer d'éveiller votre fils, on dit, papa, tu ne vas pas, tu es amoureux. Je ne t'aime pas. J'ai envie de dire ça. Je ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas, la fiancée. Et voyez le route à sortir. Elle veut quelqu'un d'autre. Il y a trop de signes. Elle ne veut pas parler avec toi. Quand tu y es, elle s'en va. Non plus, je veux parler avec quelqu'un d'autre. Je veux savoir où est l'église. L'église ne parle plus avec Jésus. Avec le fiancé. Jamais de conversation avec. Oui, à la réunion. Laissons ça de côté, frère. Hein. N'importe où qui va à la réunion. Et moi, le mot que je vous dis, il n'y a pas que nous, mais il y a des démons aussi qui en ont des réunions pour mettre dans le groupe. Vous savez ça. Donc, rentrer, des procédés rentrés dans les synagogues. Il y avait des gens qui étaient liés par des démons qui étaient dans les synagogues. Ça ne dérange pas de rentrer quand même. Hein. Donc, je veux dire, ça ne dérange pas. Moi, je parle beaucoup plus que ça. De quelqu'un qui contacte avec de bien-aimés.
il vient d'être adolescent. Moi, j'ai un petit-fils, il vient de se fiancer avec une jeune fille. Ils sont très jeunes. À tous les deux, je ne sais pas si ils ont 33 ans. À tous les deux. Très jeunes. Mais je ne vous dis pas. Mais il ne faut pas les arracher. Mais ça va, ne rapprochez pas aux petites maintenant. Mais non. Son désir, elle, c'est d'être là-bas. Le désir de lui, c'est d'être avec. Je le comprends, mais frère, par rapport au spirituel, je le comprends encore plus. Pourquoi tant d'écart? Pourquoi fuir? Alors, il est. En plus, je l'ai vu parler avec quelqu'un, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, l'église qui parle avec quelqu'un? Comment elle peut aimer quelqu'un d'autre? Jamais de tout simplement. Elle a quelqu'un, l'église. Qui? Le monde. Elle aime le monde. Elle parle qu'avec. Elle a un fiancé. Elle a quelqu'un d'autre. Elle veut quelqu'un d'autre. Mais avec qui est-elle fidèle? Avec le monde. Avec le monde, avec les choses de la terre, à passer des heures, à passer des heures à se faire coucher. Donc je comprends, mais il n'exagère pas. Non, je n'exagère pas. Je vais m'excuser quand même, mais je perds moi-même en fait. Écoutez bien, c'est pas exagéré ce que je dis. On passe plus de heures à notre part. C'est une charge à la terre pour nous en tant qu'enfant de Dieu. Le travail, c'est une charge, frère et soeur. C'est pas l'amour ici. Non, le cœur est pour Dieu. On n'y met pas notre cœur dans le travail, dans les choses de la terre, on y met notre corps, parce qu'on est obligé de le faire, c'est pour ça. Mais il faut le faire quand même, c'est le corps qu'on y met, mais le cœur est pour Dieu. Amen. Ouais. Après, en tant que le Seigneur, mon cœur est pour toi. Parce que toute son âme est en prison, ça sera ton cœur, de toute façon. Ne me dis pas que tu es en haut si tu vis comme moi. C'est toi. Mon père du ciel, j'aime pas le ciel. Je n'aime pas déjà le ciel. Sur les figures, là, la Bible, elle est pesante. Qu'est-ce qu'elle est pesante? Plus elle pèse. Écoutez, frère, c'est le seul moyen d'avoir la foi. C'est la connaissance du Christ, de celui que vous aimez. Elle le décrivait tellement, le cantique des cantiques, que les gens le cherchera avec toi de la façon que tu le décris. Jamais on n'avait décrit quelqu'un, le bien-aimé, comme toi tu le fais. Jamais. Elle le connaissait tellement qu'ils ont eu envie de le suivre. Nous le chercherons avec toi. On le dit, les gens sont découragés de chercher Dieu aujourd'hui. Parce qu'on leur dit tout simplement, bien à la j'arrête, j'ai d'autres choses à vous dire, tout à l'heure. Je crois que c'est suffisant ce soir pour comprendre une vérité simple. Renommons les noms que la Bible donne. Ténèbres, lumière. Vérité, mensonge. Presque vrai, c'est pas vrai. Vrai. Dieu sait qu'il y a quelque chose de vrai. Les gens ont besoin de voir le vrai. On le cherchera avec toi. Quand quelqu'un s'intéresse aux choses du ciel, les gens y croient. Pourquoi? Parce qu'ils sont désintéressés. Ils sont capables de dire dans un problème, ça va laisser tomber, ça va. J'ai vu, moi, des païens être plus conciliants que certains chrétiens de chez nous. Ah non, ça passe pas, ça. Ah, ça passe pas, ça. Et des païens m'ont réglé, des païens réglaient des problèmes. Et il y avait selon que la Bible, même on a trouvé des gens plus âgés, ça se fait dans notre peuple, ça. Hein. Et cette personne âgée dit, bon, c'est fini, mon fils, tu t'arranges maintenant. Hein. C'est moi qui prends la responsabilité en tant qu'ancien. Mon grand-père était comme ça. Il a arrangé les couples pour qu'ils retournent ensemble. Et par rapport à la parole qu'il donnait, moi je m'en occuperai. Ils retournaient ensemble, le couple retient de nous. Frères et sœurs, si l'Église ne peut pas arranger ses problèmes, si l'Église est plus dure que les païens, comment voulez-vous trouver la différence? Où chez nous, il n'y a pas de pardon. Et la chose chez certains arrive à se réconcilier. Attendez, comment on fait avoir chez nous? Comment reconnaître alors un chrétien et un païen? Le jour où j'ai juste marché dans la rue, j'ai dit Seigneur, elle est perdue cette personne peut-être. Ça ne me fait pas ça des fois. Seigneur, peut-être elle est perdue cette femme. Et dans mon cœur, je me suis pensé, quelle différence y a-t-il entre cette femme qui ne connaît pas Dieu et quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu? Question est venue dans mon cœur en regardant ça. Quelle différence y a, Xavier, entre cette femme qui ne connaît pas Dieu et celle qui n'obéit pas à Dieu? J'ai réfléchi, je dis, ce n'est aucune. Voilà, il y a aucune. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne sais pas si vous venez demain. J'avais ça à vous dire. Adieu. Et je vous promets, ne croyez pas que je le dis avec. Je vous le dis franchement, je souffre pour vous. Bénis-le, Sauveur. Vous êtes un veuve, maman.
Amen. Amen. Quelqu'un de catalan ici. Je suis pauvre, il y a un catalan. Mais mon peuple, aujourd'hui, c'est devenu le voyageur. Je suis mélangé, mon cher mélangeur. Et je souffre pour mon peuple. Je suis content que je sois qu'un prédicateur et ferme les choses de Dieu. Seigneur, merci parce que tu as mis l'instrument dans notre peuple. Je prie, priez pour que des hommes se lèvent, cher. J'en ai parlé avec un jeune frère ici qui m'accompagne. J'ai dit, on a besoin de prédicateurs qui s'affermissent. La mission a besoin d'hommes de Dieu. Tout simplement, c'est tout. Je ne dis pas de super prédicateurs, ça n'existe pas, super. Mais des hommes qui disent non. Non. Nous ne leur cédâmes à aucun moment, disait Paul, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue. Alléluia. Ne cédons pas, frère, il n'y a pas à céder, rien du tout. Il faut continuer. Comme dit ce cantique, continue. Seigneur, merci. C'est un appel qui est dans mon cœur. C'est un appel qui est dans mon cœur. Seigneur, merci au peuple qui est là. Ils sont venus pour écouter, Seigneur. Seigneur, comme disait Paul, du singe en disant la vérité, être moins aimé de vous. On comprend que la vérité va pousser peut-être des gens à ne pas être aimés nous-mêmes. C'est pas important ça, Seigneur. Tant pis si on n'a pas de succès. C'est pas ça l'important. Mais c'est que la vérité contemplée soit acceptée. Alléluia. Et que les âmes soient libres, Seigneur. De toutes les pensées qui les a rendues captives, Seigneur. Bénis ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, amen.